quand j'étais petit, j'étais pas très différent. Je me suis dit, moi, ce que je veux faire, c'est marquer des buts. J'ai toujours aimé les félins dans leurs gestes, dans leurs actions et se sentir libre de ses mouvements. Il faut laisser parler son instinct aussi. C'est ce qui caractérise aussi l'attaquant, c'est de savoir surprendre. Le côté sauvage a toujours ce côté audacieux de tenter des choses, de sentir cette liberté. Je pense que c'est vraiment le mot qui correspond le mieux à sauvage. L'odeur de la pelouse, l'odeur du stade, de la ferveur des gens, il y a quelque chose qui va se passer. C'est un goût fruité, explosif, exotique, ça a tous les goûts, la victoire. J'adore. C'est un plaisir de se parfumer et surtout d'avoir un parfum qui te correspond. Et ce parfum, ça représente ce que je suis et ce que je veux être. Cet esprit sauvage, cet esprit libre et peut-être une part de vulnérabilité aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est humain.